Le gros des forces des Marines s'est replié dans le sas du Domoski. La taille du sas ne permet qu'à un nombre limité d'unités de pénétrer à l'intérieur. Profitez-en pour frapper les forces de Marines qui attendent de partir. Détruisez toutes les unités au sol que vous rencontrerez. Tous les véhicules pouvant voyager dans l'espace doivent être désactivés électroniquement avec vos PIE. Nous utiliserons ces appareils pour nous lancer à la poursuite des Marines ayant réussi à passer le sas. Attendez-vous à l'arrivée imminente des renforts de Marines pendant l'assaut. Passer le convoi aérien en fuite au PIE. Bien joué. Maintenant, rendez-vous au prochain dôme. Nous voulons que vous détruisiez certains fronts. Rappelez-vous, passez tous les vaisseaux au PIE. Détruisez tous les véhicules d'intervention.
avait regagné leur vaisseau de lancement. Et Gris avait laissé quelques équipes pour couvrir ses arrières. Le temps que nous venions à bout de son arrière-garde, il avait réussi à s'enfuir avec le reste de ses troupes. Notre système de défense planétaire était définitivement anéanti. Ces appareils d'assaut pouvaient nous faire sortir d'orbite. Nous ne pouvions même pas avertir la Terre, car l'émetteur de la colonie était fichu. Nous allions devoir nous charger de Gris, nous-mêmes. La saisie d'un appareil de Marines a considérablement accru la taille de notre force spéciale d'intervention 0G. Actuellement, les systèmes de propulsion des chasseurs des G-Police sont en train d'être modifiés pour voyager dans l'espace. Nos ingénieurs ont même transformé de nouveaux prototypes Venom MK3 pour les rendre aptes à la gravité zéro. Cependant, les corsaires que nous avons capturés lors de la mission précédente sont nos plus grands atouts. Le corsaire, à l'origine, a été conçu pour être extrêmement rapide et manœuvrable lors de combats rapprochés avec des chasseurs. S'il ne peut constituer une véritable menace dans un environnement aux conditions atmosphériques normales, il se révèle être une arme formidable en gravité zéro. Que tous les pilotes se préparent pour un voyage spatial imminent.